moment de mettre les bouchons d'oreille. Le moment de mettre les bouchons d'oreille, comme si ça. Si vous voulez vous protéger, c'est le moment. Voilà. Donc ça, un exemple, on peut se servir de ça comme ça. On a choisi typiquement ce modèle de cas pour le son que ça produit. On essaye de se différencier. Donc moi, j'ai récupéré tout l'univers un peu jazz, le truc jazz, quoi. Ouais, c'est le jeu du jazz, par exemple, toi, de swing. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette cymbale, c'est la couleur. Tu vois, le truc un petit peu usiné comme ça, je trouvais ça sympa. Alors moi, en fait, je suis pas très branché matos, pour tout avouer. Moi, j'ai choisi celle-là parce que je trouvais assez joli, en fait, avec les trous. Je trouvais ça chouette, tu vois. C'est vrai que c'est aussi moins lourd, du coup, à porter. Donc, pour Jay, notre backliner, je trouve que c'était plutôt sympa. Lui, il a pris le côté un peu plus rock. Hey, salut! J'ai opté pour toute la série à custom. Et alors ça, c'est bien pour faire des trucs plus... Putain, mais c'est vraiment... Tu sais que du coup, c'est la première fois que je fais ça, c'est hyper jouissif en fait. C'est prenant ça. Hein. Hey, moi aussi, je veux faire des trucs cool dans le show. Pourquoi c'est toi qui as tous Regarde, les trucs cool? Regarde, toi, tu fais ça. Ça, c'est pas cool. Ça, ça doit être jouissif de couper des baguettes. J'avoue, donc par exemple, voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise en concert pour faire des shabalas au-dessus de 460 à la noire. Impressionnant, je sais. Moi, j'ai à peu près la même chose, mais en mieux. Voilà, donc on peut quand même en conclure que ces cymbales sont quand même relativement solides. Oui, voilà.